Bonjour Yannick, tu vas bien? Bonjour Vincent, oui, et toi? Ouais, super. Alors du coup, tu es entrepreneur et je voulais que tu puisses nous partager un peu ce que tu fais dans ton entreprise et que tu puisses nous expliquer un peu tout ça. C'est parti? Ok, alors je suis Yannick Marot. Je suis une société de services informatiques à domicile. C'est ce qu'on appelle le métier d'assistance informatique à domicile, hein, si on cherche. Et je fais donc de l'installation d'ordinateurs, formation, conseil, dépannage sur tout appareil qui touche l'informatique, qui est connecté à Internet. L'avantage de passer par moi, c'est indéniable, c'est du service à la personne. Donc, c'est un service qui donne accès et droit à un dégrèvement fiscal, on appelle ça, donc soit les impôts vous remboursent la moitié du coût de l'intervention, de l'année à l'année, ou vous rembourse. Après, ça dépend de vos impôts, hein, si vous en payez ou pas. Mais il faut savoir qu'il faut y déclarer et que tout le monde y a droit. Hein. On dit de 0 à 99 ans, voire plus, on y a droit. Pas d'âge, il faut juste le savoir. Et du coup, voilà, je fais mon travail. Je travaille aussi bien sur PC que sur Mac. Donc les iPhone, iPad, iMac, iBook, tout ce qui est Samsung, Android, système tablette avec les tablettes. Je peux aussi, je ne le fais pas souvent parce qu'il n'y a quand même pas tant de monde, ça je trouve qu'il l'a pour le moment, c'est tout ce qui est Alexia, Google Home, les systèmes un petit peu de portage où on parle à l'Internet d'une certaine manière et que ça parle et que ça enclenche direct la musique. Donc, bah, mais autrement, c'est mon cœur de métier, c'est l'informatique sous toutes ses angles. Ok, super. Et tu fais ça depuis combien de temps? Alors, j'ai commencé réellement en 2007 en travaillant avec la FNAC, mais bon, avec une petite histoire qui est trop longue à expliquer. En 2017, 10 ans plus tard, je me suis lancé à mon compte pour faire exactement la même chose. Ça fait 3 ans maintenant, j'ai commencé en janvier 2017. Et bah, au final, c'est génial parce que les gens, les clients de la FNAC m'ont suivi en partie. Les gens parlent de moi, ils continuent à me rappeler. Je propose, en fait, quand je suis chez un client, j'essaie de lui parler que je fais du parrainage, c'est-à-dire que s'il parle de moi et qu'il y a quelqu'un qui prend rendez-vous en disant ah, c'est un tel qui m'a appelé, qui m'a conseillé, ben, la personne, la prochaine fois, aura un petit pourcentage sur son intervention. Rien que parce que ben, je suis allé chez quelqu'un qu'elle m'a recommandé. Voilà. Et ça marche, c'est bien. C'était une idée pour développer le bouche à oreille. Ouais. Super. Ok, très bien. Du coup, tu travailles à Dijon et en Bourgogne, c'est ça? Alors, oui, principalement Dijon Métropole, la Côte d'Or surtout, et j'essaie de tourner, pour pas aller trop loin, on va dire, éviter de faire plus de 80 km autour de chez moi. Qui est déjà un bon gros cercle parce que ça pourrait me faire descendre jusqu'à Chalon-sur-Saône. Ok. Oui, par contre, oui, il faut penser aussi, si je fais trop de kilomètres, il y a quand même des frais de déplacement qui sont en sus et ça se négocie. Enfin, ça se négocie. C'est quand on m'appelle qu'on le voit à ce moment-là, simplement. Voilà. Et en fait, on vient de penser aussi, c'est qu'il y a moyen, même maintenant, mais c'est pas encore tout mis en place comme il faut dans ce côté, surtout, mais c'est faisable. Bah, on peut faire, si je peux le faire en vidéoconférence pour ces formations, même avec WhatsApp, Skype, Zoom, Google Meet, je pense, ou par téléphone, tout simplement, pour les gens qui ont vraiment bah, des problèmes un peu courts aussi à réparer. Hein. La période de confinement, j'ai fait quelques dépannages par téléphone, du coup. Je fais pas ça avec tout le monde, uniquement avec des personnes, on va dire, qui se sentent à l'aise avec leur matériel, avec leur ordinateur, et que moi, je le sens, je le sais. On m'appeler pour me dire, j'ai ça, est-ce que je fais? Ben, je ne prends pas la main à distance sur les ordis, parce que je n'aime pas ça, en fait. Parce qu'on ne peut pas travailler correctement, moi je trouve, à distance, en prenant la main sur un ordinateur,
quand il faut le redémarrer. C'est une contrainte aussi pour la personne qu'elle doit être derrière l'ordi à regarder ce qu'on fait, qu'elle ne comprend rien. Donc, ouais, je préfère faire attention quand je fais du dépannage à distance aussi, par le téléphone ou à Skype, ou n'importe quelle appli de visioconf. Mais c'est aussi ça aussi que je pensais. Pour les gens qui sont un peu loin, c'est aussi une alternative. C'est éviter le déplacement. Ok, super. Donc, il y a une partie de tes prestations. On peut t'appeler à l'aide à distance pour certaines choses, en tout cas. Voilà. Bah, ce qui ne nécessite pas du gros travaux sur l'ordinateur. J'ai fait, par exemple, pendant le confinement, une remise en service d'une imprimante. Enfin, il y a un petit bug sur l'imprimante. Quand la personne arrive à décrire le problème, c'est réparable par téléphone. Une boîte mail qui n'arrive plus à avoir accès, si elle sait un petit peu dépatouiller, on va dire, c'est dépannable par téléphone en lui disant ce qu'elle doit faire. Il ne faut pas que ça soit installer un ordinateur parce que là, il faut plus de temps et c'est mieux que je sois devant pour être sûr que ça soit fait tel que j'ai envie que ce soit fait. C'est de l'informatique, mais okay. C'est quand même suivant notre envie aussi, même si on fait ça pour que ça simplifie la vie à l'utilisateur derrière. Ok, super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Que si les gens veulent prendre des rendez-vous, il suffit de m'appeler. Je ne sais pas si je donne mon numéro de téléphone, mais bon, il y a moyen de. Tous les contacts sous la vidéo, ils auront tout. Téléphone, voilà, donc il y aura tout sur la vidéo en dessous. Les liens internet de mon site, mon numéro de portable. Voilà. Il suffit de m'appeler. Me parler du souci et en général, je planifie, j'essaie que les rendez-vous soient dans la semaine, voire une quinzaine max de jours. Au-delà de 15 jours, c'est souvent c'est que je suis en vacances. Ok. Non, aussi de repos. C'est extra. Mais voilà, non, autrement rien de particulier. En plus. Super. Voilà. Si certaines personnes qui regardent ont des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à contacter directement Yannick. Tout est dans la description juste sous la vidéo. Et puis, merci à toi pour ce partage. Prends soin de toi. Merci à toi. À toi aussi. Et puis à très vite. À une prochaine. Ouais, à une prochaine. Ciao, ciao. Ciao.